Et hey, salut à toi et bienvenue pour, on va appeler ça une vidéo des news de la chaîne, une vidéo qui marque un certain tournant sur l'histoire de cette chaîne du coup, qui est ouverte depuis maintenant 4 ans et demi, c'est en février que je l'ai ouverte, 4 ans et demi à faire ces vidéos, à y passer beaucoup de temps, à y prendre énormément de plaisir, ça c'est sûr, mais toujours en train de courir après ce temps qui manque, ces vidéos qui se font au prix d'accumulation de fatigue, parce qu'on peut pas être docteur à 160% de son temps de travail, avoir une famille avec deux enfants, et cette chaîne, j'investis avec beaucoup de plaisir, encore une fois, énormément de temps, et réussir à tout faire, et prendre soin de soi. Et c'est pas possible, c'est pas tenable, je sais même pas comment ça a duré aussi longtemps. Donc je coupe court tout de suite à vos craintes, hein. Je ne vais pas du tout arrêter, ce n'est pas du tout le but. Donc comment on fait pour avoir plus de temps, pour continuer à faire ça et continuer à le faire de manière un peu plus saine, que ce soit le travail, la famille et ce loisir? Et bah juste on re-répartit la priorité des choses. Et on re-répartit le temps. Et donc, j'ai fait un choix assez fort récemment, mais encore une fois, je ne veux pas parler trop de mon travail et ma vie personnelle, mais de passer à mi-temps pour avoir plus de temps pour ma famille, pour moi. Et moi, ça fait donc une partie de moi qui passe du temps à être Rod Justice et à parler dans ce micro. Et donc, il va y avoir des changements prochainement sur la chaîne. Ces changements, c'est quoi? C'est... J'ai quand même envie de vous mettre les petits dessins que vous avez fait. Ces changements, c'est quoi? C'est bah, des changements sur le planning de publication. Ça fait quelques semaines, voire mois maintenant, que je passe le plus clair de mon temps quand j'enregistre à jouer à Spelunky. Et évidemment, les roguelikes qui sont dans les playlists, les roguelikes éternels sur la chaîne, sinon on n'est pas usurpés, ils vont revenir. Ils vont revenir dès que j'aurai à nouveau la possibilité de leur allouer un planning de publication qui me satisfait, à savoir plutôt une publication hebdomadaire. Je pense que qui dit moins de temps au travail mais plus de temps à la famille dit quand même que j'aurai quand même un peu plus de temps pour cette chaîne et que donc je devrais pouvoir assurer deux vidéos par jour avec, je pense, un jeu en quotidien et d'autres jeux en hebdomadaire, avec toujours des roguelikes, avec j'espère refaire des ligues des justiciers avec ceux qui me le demandent depuis longtemps. Je ne vous ai pas oublié, j'ai toujours ma petite liste, mais bon. J'avoue que la priorité va aux vidéos plus traditionnelles, on va dire. Ça passe aussi par des lives à horaire fixe sur Twitch. Si tout se goupille bien, ce sera en journée de 11h à 15h et les jours devraient être le lundi, le jeudi et le vendredi. Et puis j'espère à un moment vaincre cette peur terrible de me confronter à moi-même et quelque part aussi à votre jugement et de me lancer dans des lives de dessin, mais ça... On verra, c'est ça. Il y a encore des gros freins là qui m'empêchent. La peur étant le principal frein. Bref, donc il y aura ces changements-là. Donc ça, c'est des changements plus dans le contenu. Il y a aussi des changements dans la forme, puisque depuis que j'ai commencé à faire ça, manière un peu hypocrite peut-être avec le recul, je me dis que j'ai toujours dit que ces vidéos, elles ne devaient pas parler de moi, ça devait parler du jeu, et que moi, je ne faisais que présenter des jeux. Mais mine de rien, il y a quand même un type qui joue à ces jeux et qui offre sa vision des choses par sa petite lorgnette. Et donc, ça a toujours hein, quelque chose de personnel de faire ces vidéos. Je me dis que tant qu'à y passer plus de temps et à faire ça de manière plus fixe et entre guillemets plus sérieuse aussi, ça passera par lever le voile sur la personne derrière le micro. Alors, je vais pas me mettre à vous raconter ma vie. Par contre, vous aurez le droit à le visage derrière la voix, avec donc la fameuse facecam que tout le monde réclame depuis si longtemps. Ça aussi, y a encore pas mal de freins, hein, ça continue à me poser pas mal de, comment dire, à me faire me poser pas mal de questions de faire ça, mais bon, je pense que entre guillemets, vous l'avez mérité, et ça ne peut que agrémenter de meilleure façon le divertissement, puisque c'est ce que je fais globalement avec ces vidéos, je fais du divertissement. Et clairement, je me dis que sur un let's play comme Spelunky, avoir la réaction dans ma voix, mais aussi sur mon visage, c'est une énorme plus-value. Donc bref, je vais pas me transformer en guignol, mais voilà, il y aura ça. L'autre chose, c'est que cette réduction de mon temps de travail se fait au prix forcément d'une entaille dans mon budget, sans pour
en soi que ça devient un objectif de rentabiliser entre guillemets cette chaîne, c'est pas le but. Clairement, néanmoins, je ne vais plus décourager les abonnements et autres qu'il pourrait y avoir sur Twitch, où je crois qu'il y a un système similaire sur YouTube, et je pense que je vais l'activer pour qu'il y ait des petits badges, des petites emojis, etc. Et que ceux qui le souhaitent, sans en attendre autre contrepartie que ces petites emojis, ce qui est quand même rien, et ceux qui le souhaitent puissent me soutenir. Je comparerais plus ça à quelqu'un qui joue d'un instrument dans la rue et qui met son petit étui à guitare et... de toute façon, il va jouer. Tu vois, de toute façon, je vais continuer à faire ces vidéos. Mais si certains justiciers veulent apporter leur soutien, tant mieux. Et ça sera probablement du temps en plus où je pourrai continuer à rester à temps partiel. Donc encore une fois, je ne veux pas que ce soit l'objectif. Mais il y a quand même une réalité pratique. C'est tabou de parler d'argent, mais c'est comme ça. Une réalité pratique derrière. Donc on verra bien. On verra bien. Une autre source de revenus pourrait être éventuellement, si j'arrive à, encore une fois, à plus dessiner, de faire des t-shirts. J'aimerais beaucoup faire ça, mais des beaux, pas juste deux phrases à la con. Vraiment des beaux designs que j'aimerais porter moi-même, et ça pourrait être un objectif. En tout cas, il y a des changements à venir, j'espère qu'ils vous plairont, et... Hey hey! Salut à toi et bienvenue sur la chaîne de Rock Justice, j'espère que tu continueras à trouver des choses qui te plaisent ici. Et d'ici à d'autres vidéos de gameplay, portez-vous bien. Ciao, ciao.